Vegas. Callon devait partir, finalement il n'avait pas de club, il est resté, il a décidé de se lancer complètement dans cette bataille pour essayer de faire remonter l'AS Monaco avec un esprit irréprochable. C'est un joueur quand même qui a joué à l'Inter de Milan, qui a montré de belles choses dans les championnats européens, notamment en Italie. Et son entrée a déplacé deux autres joueurs, Kamel Meriem qu'on voit là, qui est devenu récupérateur, et puis Diego Pérez qui est en position d'arrière droit maintenant. Et voilà Pérez justement pour ajuster son centre, chercher la tête et elle est dedans. Yann Colère pour l'égalisation à 1 partout. Il ne lui en faut pas beaucoup. Christophe, on l'avait vu tout à l'heure sur une première tentative qui n'avait pas donné énormément de frayeur à Nicolas Duchesne. Et bien cette fois-ci ça passe, sixième but de la saison pour l'international tchèque, et on aura apprécié la patience de Diego Pérez qui s'est vraiment appliqué sur ce centre. Rien à faire pour le gardien toulousain. Toute l'action est magnifique, et au départ Kamel Meriem qui distille ce ballon pour Pérez, qui n'hésite pas à prendre le couloir, ce qu'on n'avait pas fait Modesto durant toute la première heure de jeu, et qui distille ce centre avec Arribagé qui anticipe plutôt le premier poteau, et c'est Colère qui ralentit sa course et qui, sur le, en reculant, arrive à ajuster cette tête.